Bonjour, bonjour les gamers, ici Oko 38, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur le jeu The Forest, qui est à l'heure actuelle en alpha version 0,10. Donc moi je vous ai quitté, j'avais fait 11 épisodes sur la version 0,03 de The Forest. Donc qui est un jeu de survival, hein, de survie, un jeu d'horreur, un jeu avec des cannibales. Et ce jeu est fait sur un monde ouvert, et on n'a pas beaucoup des jeux qui sont comme ça, parce que peut-être le seul jeu que je connais qui est un monde vraiment ouvert. Alors ici vous avez une nouveauté, c'est le coop, donc pouvoir jouer à plusieurs copains, c'est bien, c'est sympa. D'ailleurs vous aurez le Takiwalki, nouveauté dans le jeu, qui pour moi n'est pas pour le solo et plutôt pour les joueurs qui jouent en coop. Donc moi je l'ai pas encore testé, je connais des gens qui l'ont fait, ils ont quelques petits problèmes aussi. Bon, de toute façon des bugs, il y en a encore dans le jeu, hein. Et ça voilà, on est à 7 jours, 23h, 25 minutes, 10 secondes de passer à la phase 0, à la version 0,11. Donc on va mettre en route le jeu, on va le lancer. Donc on va vous parler un peu de toutes les nouveautés depuis la version 0,03 que j'avais fait 11 épisodes. Donc je reprends ce jeu à partir de maintenant avec la version 0,10, en espérant qu'il n'y aura pas trop de bugs. Alors ici on est dans l'avion. Bon, déjà les graphismes, ouais, ils sont un peu plus jolis. Il y a des personnages en plus dans l'avion, d'après ce que je vois. L'enfant est toujours à côté de moi. Alors je ne sais pas si c'est mon enfant, mais... Alors l'avion est en train de se crasher. En train de s'écraser. Aïe, aïe, aïe. Ah voilà, c'est le début du jeu. Dans l'avion. On va déjà récupérer un maximum de loot. Important. On va manger, on va essayer de trouver tout ce qu'on peut trouver. Donc, vous voyez les graphismes. C'est vrai qu'ils sont beaux. Alors là on a un pédimètre, c'est ça, je pense. Je regarderai. Je pense qu'on l'avait déjà dans la version 0,03. On a peut-être un peu plus de loot à ramasser. Bon. Alors les bouteilles, ça va être important pour faire des cocktails molotov avec les tissus. Donc il faut en ramasser un maximum. Je sais pas trop où je me suis crashé là comme maintenant. Je sais pas tellement où l'avion s'est crashé. Bon, pas trop. On va voir après. Alors, on a des valises. Alors, les valises. Vous essayez de ramasser le maximum de loot. Parce que... on va en avoir bien besoin. Alors, ça n'a pas marché. J'ai voulu ramasser la viande, tuer des arbres.
Là, vous ramassez des brindilles de bois qui sont importants. Voilà, les baies, on ne sait pas trop y toucher parce que moi, chaque fois, j'ai jamais de chance. Enfin, il me semble que les noirs, faut pas les manger. Alors, bien. Ça marche pas vraiment bien. Voilà, c'est parce qu'on est en point. C'est pas trop. Tout de suite aller ramasser les circuits électroniques parce que ces circuits électroniques nous permettront de faire des bombes et ces bombes pourraient être très utiles. Aussi la possibilité dans cette nouvelle version de pouvoir faire des cabanes dans les arbres, de monter à la corde. Vous pourrez également, si vous êtes enfermé dans des grottes en profondeur, souterraines, vous pourrez remonter à la corde. Alors moi je vous dis, il y a des moments ça bug. Hein. Des fois ça marche bien, des fois ça marche pas du tout. Pas facilement prendre. Alors, des cailloux, vous ramassez, les brindilles de bois, vous les ramassez, ça c'est important pour faire des feux, pour faire des constructions, c'est toujours important. La première vue. Alors ici, bon non, hein. On a des boissons énergisantes, on a des barres de chocolat, on a donc des bouteilles, des tissus, et avec ça, vous faites des cocktails molotov. Enfin, ils sont préparés parce que si jamais on a des calimans qui nous arrivent dessus. Un briquet, on a un tequila walkie, ça c'est plutôt pour le multi en coop. Voilà, donc ici sur les shelters, celui-ci c'était le premier qu'on faisait pour avoir une sauvegarde. Vous pouvez sauvegarder avec la cabine également. Hein. Alors vous avez des abris dans les arbres, celle-ci, 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 l'Alpine Tree House. Pas facile, hein. Monter à la corde de. Des fois il marche, des fois il marche pas. Donc ici les nouveautés, on va dire le Cryptoplace. Avec 7 tournants de bois, ça vous permet de faire une plateforme dans les arbres. Et ici, alors, Cryptoplace, le tree platform, donc c'est la plateforme dans les arbres, avec 7 rondins, donc ça va très vite à faire. Le tree bridge, là c'est ni plus ni moins, qu'une passerelle en bois pour aller d'un arbre en arbre.
Et ici, une défense, des spikes, ça vous permet de vous défendre contre les cannibales. Donc l'important, ce sera de faire son shelter. Donc pour l'instant, je ne vais pas encore le faire tout de suite. Je vais aller voir où je suis déjà. Oh, je crois que c'est un lac. Je vais pouvoir passer par ici. Ouais, je vais inspecter un peu la map, hein. Je vais regarder un peu partout, de façon de voir ce qui change. Ça devient... Normalement, il doit y avoir plus d'animaux, hein. On a plus d'animaux, de poissons. Voilà, je l'ai eu, c'est de la viande. Et je vais en avoir bien besoin parce que c'est un jeu de survie. Il faut chasser, faut faire un maximum de choses pour pouvoir... vivre sur cette île. Alors là-bas, il y a des cabanes. Ça veut dire qu'il y a des cannibales là-bas. Ouais. Oh, je vais repartir vers le haut. Alors ici, on a donc un peu ce qu'il faut. Il faut que j'en achète ces choses. Alors. La peau de lézard est importante. La peau de lézard est importante parce que vous pouvez l'utiliser comme armure. Et ça... Voilà. Ici, je l'ai mis. J'ai donc la margeonne qui monte, qui vous permet d'avoir une protection. Et ça, c'est important. Important dans le jeu parce que quand vous aurez des combats, vous voyez, vous avez cette protection. Ah ben, c'est une nouveauté parce que sur les versions antérieures, on avait la protection de l'armure, mais on ne le voyait pas sur les poignets. Avec là, on voit la peau de lézard figée sur son poignet, et c'est bien foutu, c'est bien fait. Hein. Alors, si je ferais. J'essaierai de faire une cabane juste à côté des rochers, hein. Ça serait pas mal. Je commence déjà à perdre de l'énergie. Bon, j'ai pris des boissons énergisantes. Voilà. Vous voyez, on la voit bien cette poignée de protection. Bon, ça, je vais me mettre un objet par terre et on va regarder ce qu'on peut faire ici au niveau. Ça, non, ça va être trop long à faire. Là, ce sont des. Je vais bien essayer de faire des. Ouais, je crois pas attendre, je vais faire plutôt. Voilà, je vais faire des palissades de façon à ouais, c'est pour les faire tourner. Alors,
Pas super drôle. On va faire un. On va déjà faire ça. On est descendu. Quand vous êtes dans des pentes, vous êtes à peu près sûr que vos troncs ils sont partis en bas. Ah, grave. Voilà. Bon. Hop. Avec eux, vous ramassez. Et ici, on va voir. Oh là là, ils sont partis. En mettant ça. Alors, ici. Je vais faire une palissade. Au niveau. La colline. Rester là pour finir. Je vais changer le coin, je laisse tomber, ça va pas bien maner. Là, on va continuer à parcourir la map, pas très mal. Et on va voir un peu les coins qui pourraient maner, construire. Des fortifications, une maison, différentes choses. Hein. Mais bon, je suis pas certain que je resterai toujours au même endroit. On va voir. Hop, j'en ai trop. Donc je relâche. Et là... Ah, il ne bougeait pas, mais tant pis. Ah, raté. Oh. Ah oui, dans The Forest, il faut survivre. C'est quoi ça? Pour ça, des fois, vous trouvez des entrées de grottes. Les entrées de grottes, ce sont donc des abris de cannibales. Ah là-bas, il y a des... Leur camp, je vais y aller. On va aller dans leur camp et on va aller voir ce qu'on peut trouver. Oh, yeah.
cannibales là-bas. Oh, un, deux, ils sont morts. Alors, vous pouvez récupérer... les cannibales. Pour faire des effigies. Les effigies... impressionne les cannibales. Les cannibales font pareil. Hein. Oh, je t'ai raté. Hein. T'es un petit chanceux. Ouais, j'ai loupé le deuxième, mais bon. Pas mal de baies, je ne sais pas si elles sont bonnes, je crois pas. J'essaierai de refaire la différence entre les bonnes baies et les mauvaises. Voilà, c'est bon. Vous voyez, il y a plus d'animaux. Hein. Il y a quand même beaucoup plus d'animaux. Donc, regardez le soir. Donc sur la touche L, vous avez l'occasion de mettre le briquet. Ah, je pourrais pas du bon. Bon, pour l'instant, le briquet, bon, on va dire c'est suffisant. Bon, je vais pas récupérer plus pour les effigies, je verrai ça plus tard. Je pourrais m'encombrer de tout ça. Alors ici, j'en ai qu'à la barre. Alors il y a des bouteilles. Il y a des bouteilles, ça me permet. De récupérer donc un maximum de bouteilles. Là, il y a de l'argent. Pour l'argent, je ne sais pas comment ça va servir. Alors là. Animal mort. Il fait noir. Hein. Bon, je reste pas plus longtemps là parce que j'ai pas envie que qu'il revienne et qu'il tombe dessus. On va manger. Je vais voir si je peux... Voilà, j'ai rajouté d'autres armures. Bon, pour l'instant, il le garde. Hein. Il garde les armures, donc c'est important. On va continuer à... Beaucoup de lézards, hein. Là, demain, ça n'a pas marché, donc il faut essayer de les attraper sans briquet. Voilà. Je l'ai vu. Oh, ouais. Ça glisse. Voilà. Oui, c'est de la nourriture, mais en même temps, c'est de la cuirasse, c'est des armures, de la protection. Et voilà. Ça vous permet comme ça. Et voilà, j'ai mis, je suis pratiquement au maximum en armure. Donc, c'est vraiment très important. Voilà, c'est la petite nouveauté dans la version 0.10, version Alpha. Bon, les lapins, ils sont pas faciles à prendre, hein. Je préfère les lézards en plus. Vous avez donc
pour récupérer des protections, donc d'ailleurs c'est pas à négliger, hein. Alors ici, des étoiles de mer. De l'eau. J'ai faim, première vue. On va manger un petit peu. Et là, j'ai froid. Donc, je vais être censé... C'est où, là ? Faire un peu ici. Allez, on va faire un petit peu pour que vous montrer voilà. Alors le livre, vous prenez la page des feux et ici on va faire un petit pierre. De toute façon je vais pas rester, j'en ai pas assez. J'ai pas de feuilles. Oh là là. J'y crois pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ça ? J'ai une bague. Bizarre. On va aller voir ça. On va voir qu'est-ce que ça fait dans le jeu, parce que dans la version 0.0.3, il n'y avait pas ça. On n'avait pas ça, donc il y a un cannibale à côté. Voilà, je suis pareil pour... chaussures qui sont pleines d'eau. Ah. Ça c'est pas mal. Ça c'est très bien. Ça fait office de camp, de cabane. Oui. Très belle protection. Devant, il faudra que je le mette. Ici on va mettre donc on va mettre un shelter devant. On va mettre un shelter devant. Alors un shelter en tigre. Ça serait super bien. Thank you.
Valo Rouge. Allez, on va voir. Ce sont des cartons. Ah non, dans le bas. Je suis pas sûr de les utiliser d'ailleurs. Fatigué. Alors ici, boisson énergisante, barre de chocolat. Il faut à tout prix que je me fasse un petit shelter pour sauvegarder la partie avant de vous quitter, parce que sinon je vais perdre ce que j'ai fait. Donc l'important dans cet épisode, ça aurait été, je pense, pour les protections. Maintenant on a mis un petit peu oui, ça va rouler. C'est quoi ça? Ici, on va donc allez, on va finir par le faire quand même. C'est bon. Et ici, on sait.
c'est bon. Alors, ici. Bon, je suis pas sûr de rester à cet endroit-là, m'implanter. Je vais sans doute parcourir la carte, la map. Pour l'instant, les protections en jaune ne baissent pas. Hein. On est ah si, ils ont baissé un tout petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Et bon, bah, avec, hein, ça veut dire qu'on ne gardera pas indéfiniment. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore en... 6, encore un rondin et il faut des cailloux et des brindilles de bois. À défaut, si vous en ramassez pas, coupez en deux. Faut ramasser également de l'herbe. Mais la première vue, j'en ai pas pour l'instant. Ah, il y a des calimans juste là derrière moi. On va éteindre les feux déjà parce que... Ah, il rate ça. D'autres, hein. J'ai vu qu'il y en avait d'autres qui ne sont pas loin. Bon. Alors.
stop. Ah bon, oui, hein. Wow, bah la vidéo elle va durer longtemps. Hein. Je crois que je peux pas la sauvegarder. Bon, c'est pas grave, on peut recommencer la partie. C'est pas très grave. Voilà, c'est fait. Donc là, vu que vous faites la touche C, et là vous sauvegardez. Donc la partie sauvegardée. Eh ben je vous dis pour donc un deuxième épisode hein, de la version Alpha 010. Moi je vous dis à la prochaine fois. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.